Fred va bien? Hein? Regarde-moi moi. Relativement. Relativement. Ouais, Fred va bien. Allez. Moi, je suis une nature travailleuse, machinique. En tout cas, la peinture, j'aime bien la travailler. Un peu comme une machine. Je ne sais pas si ça revient à la peinture, à aller chercher un fruit sur un arbre ou à couper quelque chose qui pend quelque part. Et ben voilà. Ça fait 20 ans que je peins, oui. Oui, j'ai commencé par des choses abstraites. Et j'ai commencé par me poser la question qui a été très vite rabrouée par le prof. Et la première question que je me suis posée, tiens, est-ce que ma place ne serait-elle pas plutôt la rue ou la peinture en rue que dans un atelier de peinture? Ça a fait un stouf et puis voilà. Comment on dit en bruxellois, ça a été un stouf étouffé. Ça a fait. Voilà ce qui fait que je suis quand même, je suis entré en peinture. Oui. La peinture est quand même en relation avec une histoire personnelle, voilà. qui n'est pas des plus joyeuses. Donc justement, en ce sens, je me disais, on peut profiter du malheur des autres par le biais de la peinture, justement. En ce sens, c'est quelque chose qui reste positif. On peut parler de scolarité, on peut parler d'un adolescent ou de l'adolescence, un élève anglais. C'est vrai que quand tu vois ce gars, cet élève, tu te demandes
se pose des questions, effectivement, sur qui il est lui, ce qu'il va devenir. Je te dis, est-ce que ce genre de gamin va régner sur le monde plus tard, et t'interroge finalement. Moi-même, je me suis un peu reconnu dans cette petite fille, certainement. Bah, chez moi, il n'y a pas vraiment de l'épreuve de la science qui était pratiquée, évidemment. On ne m'a pas laissé faire le ciseau dans l'estomac et je ne suis pas sorti, non. Mais je garde ça comme quelque chose, en tout cas, de très symbolique. Cette boule bleue, par exemple, qui pour moi symbolise l'âme, le corps, des choses plutôt agréables. Ensuite viendrait ici intervenir un événement qui est quelque chose de relativement très chaotique, mais qui, a priori, veut ou ne veut pas être repris par ce moule-ci qui, lui, est le moule noir et catholique. Déjà un peu comme un accident, comme d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de choses chez moi qui sont faites relativement au hasard. Il y a un côté aveuglant ou aveuglement, parce que apparemment le gars, c'est vrai qu'on ne voit pas ses yeux. Ou un questionnement, oui, quand la mise en boîte de quelqu'un. Ouais, c'est un peu un homme pommade, quoi. Ou dentifrice, il sort du tube, quoi. Oui, un peu, il me ressemble un peu physiquement en plus, ouais. Comme si je n'ai pas le nez écrasé, mais c'est vrai que pour me mettre dans un tube, il faudrait m'épater le nez, oui. Oui, mais oui, c'est vrai qu'il me ressemble, ce personnage, oui. Et en ce sens, il renvoie aussi à la question des trous, des orbites, les trous de nez, les trous de la bouche, qui n'est pas rendu de manière évidente. Bon, oui. On tourne. Hein. Ben oui, vous voulez que je m'exprime en français, oui, oui. Ben oui, ben écoutez, moi. Fred, hein? Je suis là. Oui, coucou. Allô. Fred va bien? Oui, Fred va bien, oui. Tu es content de cette expo, j'imagine? Oui, 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 quand même. C'est une consécration. Oui, t'es le meilleur de la case. Oui, le meilleur de la case, elle est passée. Portez-vous bien, Fred. Toi aussi, salut. Je reviens à bientôt. À bientôt. Voilà, encore une fois rire. Oui, voilà, c'est fait.